Puisque c'est vendredi, on va s'occuper de l'adoption des animaux, qui est une séquence qui nous tient vraiment à cœur. Hélène est partie retrouver ses petits amis. Et oui, car vendredi, eh bien, c'est l'adoption. La semaine dernière, Églantine, vous avez proposé une foultitude de chats. Eh bien, aujourd'hui, moi, c'est plutôt des chiens que je vous propose. Nous travaillons encore avec le refuge Biscar Refuge. Ça nous tient à cœur parce que c'est un refuge local avec des bénévoles qui se démènent d'eux-mêmes. C'est un refuge qui a été créé en 2014 à l'initiative de Gaëlle, qui en est aujourd'hui la présidente et qui est aidée également par de nombreux bénévoles comme Sandrine. Et aujourd'hui, eh bien, je vous propose plusieurs chiens. Alors, tout d'abord, ces deux chiots que nous avons dans les bras, qui sont issus d'une portée. La maman est une femelle labrador et le mâle serait un border collie. C'était une portée qui n'était pas désirée et donc ils ont failli être euthanasiés. Et par chance, eh bien, le refuge, le Biscar Refuge, s'est proposé pour récupérer les chiots et qu'ils ne soient pas euthanasiés. Alors, je vous en présente deux aujourd'hui. Il y en a 7 en tout, donc oh là vous là pouvez là. Appeler extrêmement nombreux. Y a de et quoi faire, effectivement, oui. Oh là là, toujours rappeler que cette grossesse non désirée n'aurait pas eu lieu si la chienne avait été stérilisée. Et donc c'est une des nombreuses causes des abandons que l'on a aujourd'hui. C'est à cause de ces chiennes qui ont des mises bas, qui ne sont pas désirées. Ça, on se retrouve avec des chiens qui ne sont pas désirés non plus et qui ensuite, eh bien, on se retrouve dans les refuges surpopulation comme on peut l'avoir cette année. Et un troisième chien que je vous présente, c'est Sandrine qui le tient. Alors là, il faut avoir un petit peu plus de force pour ce chien-là. Il s'appelle Maboule. C'est un croisé, un type Leonberg. Il a 18 mois, il pèse déjà 52 kilos. Donc c'est un chien qui a besoin un beau bébé, qui a besoin de se dépenser, qui a besoin de temps, d'une famille qui lui consacrera du temps. Et c'est une bonne patte, c'est vraiment la bonne patte du refuge. Donc soyez nombreux à appeler pour Maboule et pour la portée de cette chiot que je vous présente aujourd'hui. Oh, Maboule. Alors, appelez pour ma boule, n'appelez pas pour la boule de Gaëtan, hein. En revanche, parce que la boule de Gaëtan n'est pas encore tout à fait prête. Voilà, ça sera dans une seconde. Mes amis, voilà, l'adoption, c'est très important, hein, puisque c'est la rentrée. Vous pouvez faire peut-être une place chez vous pour un bon toutou. Ça se passe par ici, à midi en France.